find someone who could get small or could perform abortions, but both? Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, peut-être le dernier, peut-être l'avant-dernier épisode de South Park, The Stick of Truth. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Quand je dis dernier, c'est pour l'histoire, après on fera bien entendu les quêtes secondaires, mais ne vous inquiétez pas, donc dans le dernier épisode, on était arrivé tout en haut du château et on devait rentrer dans le cul. What? Qu'est-ce qui se passe? What? Moi pas avoir compris là. C'est quoi ce début d'épisode là? J'ai pas compris. Attendez, mais c'est générique de fin ça. Game over. Ok. Ok, bon. C'est pas trop mal. Poussière de feu. My god, on rentre dans son cul quoi. Quick, get up there and disarm the snook. Hurry. Oh, be careful. I might have also put some bats up there the other night. Mais what? Oui, parce que monsieur esclave est réputé pour ce genre de choses. Trouver la bombe chatomique. Mais what the fuck? A great adventure is waiting for you ahead. Journey onward, new kid, or you will soon be dead. Mais what the fuck? Le mec il s'est inséré un maïs. Il faudrait peut-être que quelqu'un t'aide. Lui il peut pas. Mince, c'est lequel du coup? Allez, on va mettre Kenny. Non, c'est pas Kenny. Stan. Mais what the fuck? Ok, faut que je tire sur ça. D'accord, ça a créé une zone de son d'alien. Mais what the fuck, quoi, ce jeu? Monsieur Toc! Mais genre, il s'est incorporé, Monsieur Toc! C'est Nagasaki, je crois. Allez! Yes! Mais what? Merde, putain. Je suis parti en combat contre lui. En plus, on a... Mais what? En plus, on n'a pas notre personnage préféré avec nous. C'est pas grave. Écoutez, on va lancer ça pour voir si ça fait pas mal de dégâts. Non, ok, que dalle. On va juste faire ça une première fois, appuyer sur ralors lorsque vous voyez. Ok, d'accord. Ça, strictement rien fait. Ok, donc faut bel et bien que je change... Où je change de héros parce que le héros secondaire sert strictement à rien. Sans appuyer sur haut, puis sauter sur bas au point culminant de votre saut. Mais what? Je comprendrai jamais comment on utilise ce truc. On change de perso, on prend Kyle.
C'est pas contre toi, Stan, mais j'ai un petit... un petit faible pour Kyle. Ok, donc. Alors, on va tester ça pour voir ce que ça donne. Ok, d'accord. Comme d'habitude. Rien de nouveau, un bon coup normal pour donner beaucoup plus de dégâts. Mince, on va tester pluie de flèches. Tac, B, X. Ah, merde. C'est pas grave. Bon, on les a tués, c'est pas grave. Ok, nickel. Alors... qu'y a-t-il derrière? Ok, derrière c'est pour aller à la sortie. Putain, mais il est what the fuck quoi. Attends, c'est... what? Mais c'est totalement what the fuck. Un petit peu de merde quand même, ah bah oui. Sinon mauvais branchement. Ah, faut que j'aille remettre la pile. Ah, comme ça, ok. Ok, that should do it. Let's turn it on. Mais what the fuck? Le mec, il a des boules de geisha dans son cul quoi. I am the Sparrow Prince. Like you, I was once used for pleasure as an anal plaything and thus perished in this place. Now you must defeat my angry spirit in order to move forward. I know I don't really sound that angry, but trust me, I am. Ok, donc faut que je combatte son esprit. Oh merde. Alors déjà, la musique, my god. Ok, il est immunisé, c'est pas grave. La musique, énorme. Ok, on va utiliser notre technique favorite. Ok, ça lui a pas fait tant que ça de dégâts, mais c'est pas grave. Oh merde. Est-ce qu'il est... merde. On va l'attaquer directement comme ça. Lui, on va le soigner un peu. La musique est énorme. Y, Y, B. Ok. Il s'en fout royalement de ce que je lui fais, hein. Ça lui fait pas tant que ça de dégâts au final. Oh merde. What? Mais sérieux? Résurrection. The Sparrow Prince lies somewhere with
Don't look back, Lemmy Wings, or you'll soon be dead. Potion de puissance grand. Shoot dans le bébé. Kick the baby. Don't kick the goddamn baby. Yay! Blah. We make a good team. You have proven yourself in combat, young anal plaything. You may journey forth. Find the Snook's trigger and save the outside world. Fare thee, Matt, and fare thee well. Ok, go. On avance. Hey, ah, faut qu'on se dépêche quand même. Parce que... Ok, faut qu'on prenne Nagasaki. Mais what the fuck. Ah. À quoi ça nous sert ça? Ah, c'est là. Mais what the fuck? Mais what the fuck? Mais what? I didn't join the company for this. We've got our orders. Yeah, but how come we always get the shit jobs? Go clean out the barracks. Go round up civilians in their homes. Go up a gay man's butthole and guard against intruders. Fucking sucks. Armed guards? What are they doing here? Whoever seeks to blow up the city clearly doesn't want anyone stopping them. You must get past them, new kid. Go fuck them up. Ok, y a pas un moyen de faire ça proprement. I'm hit. Medic, take cover. Vite, on s'en va. La technique du lâche. Storm her dark, neath the cold depths of the London Heart. Hello, new kid. I am Katatafish. Katatafish of the stomach's cove. The trigger of the thermonuclear device lies before you. I have tried to solve its riddle, but I have been unable to disarm it. Katatafish riddle will soon be told. There are only moments to spare. Find a way to disengage the trigger, or all will be lost. See that handicap sign? You need a bar. Ok, donc alors. Mince. Ok, donc lui c'est mort. On a trouvé Monsieur Toc. Je pense qu'on va devoir utiliser Butters. Non, pas du tout. Non. Yes. Snook abortion sequence initiated. Appuyez sur le bas lorsque la sonde. Oh. Mais non, mais t'es sérieux? Christmas means so much to us all. It's once a year, it's Christmas. Tournez rapidement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour insérer le dilatateur B à l'emplacement A. Cold. So cold. Ah non, c'est à l'inverse. Danger. Abortion access slit stress. Abortion access slit dilated. Initiate control. Maintenez enfoncé à droite pour aspirer à gauche pour aspirer la puce électronique. Wrong chip, self-destruction sequence aborted. Mais what the fuck, quoi?
Mais ce jeu. What is it, Mr. Slade? What are you feeling? Jesus Christ! Great job, new kid. But your journey is not yet complete. Yes, but should we ever need your services again, we will call. Great job. You've disarmed the snook. South Park is saved. Yes. Now let's finish this, new kid. Let's beat Clyde once and for all and take back the stick of truth. Venez, je vous équiper de nouveaux objets. Appuyez sur gauche pour voir ce que c'est. Ok, donc on a débloqué ça, plus 110 Hz d'armure, c'est quand même plutôt pas trop mal. Une coiffe préservative, confère votre bouclier en bloquant les coups, machin. Ouais, c'est plutôt pas trop mal. Par contre, on a des nouveaux trucs. On est bientôt niveau 3, niveau 14, pardon. C'est très bien qu'on soit niveau 14 parce que quand même, ça change un petit peu. On gagne quand même pas mal de comment ? C'est vrai que là on se fait les prochains, on gagne quand même pas mal de points niveau comment niveau attaque, pardon, excusez-moi, je cherchais le mot, putain. Fools, you thought you could conquer the fortress of darkness. Fly, back away from that stuff. Oh, but I have yet to complete my army. You have come to witness the power of darkness. Stop! Clyde! You have no idea what that stuff is! Yeah, huh, it's green sauce from Taco Bell. I took it from their construction site. Dude, that's not Taco Bell sauce. Then why'd I find it at the Taco Bell? It leaked out of a UFO, Clyde! It's toxic goo from another galaxy! Think about it! Since when does Taco Bell have a green sauce, dude? Actually, since about a year ago. What? Taco Bell has green sauce now. No way! They've had it longer than a year. I've always gotten spicy green burritos. Yeah, no, I'm saying in the packets. They just started putting green sauce in packets. The fuck? How the fuck did I miss this? Haha! I don't seem so foolish now, do I? That doesn't mean you have Taco Bell green sauce, dip fuck. Yeah, Clyde, why do you think that shit's glowing? Maybe because of the three varieties of chili peppers. Just give us a stick, asshole. Or what? You'll beat me up? Haha! I've got another surprise for you. I'm gonna make love to you, woman! Get him, Commander Douchebag! Oh, mais non! Ok. Alors, boulette de chocolat. Alors, normalement, cette technique devrait pas fonctionner contre lui, mais on va la tester quand même. Ouais, c'est bien ce que je pensais, la technique fonctionne pas contre lui. Hop, on va prendre du coup Kyle. You guys been great. We stand together against the darkness. Ok, d'accord, il nous a quand même fait pas trop mal. Tac 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 tac. Tiens, on va tester ça. Ok, il est immunisé aussi. Hop. Come on, we've got this. On teste un petit peu tous nos trucs. Don't take the goddamn baby. Yay! Ouh, il fait mal. Potion de guérison. On va l'attaquer directement au corps à corps, je pense que ça doit être la meilleure solution à faire. Quoique. Hop, on va se soigner. Maintenant, A enfoncé jusqu'à ce que vous commenciez à perdre le contrôle puis lâcher les vannes. Ok, d'accord. Charger du coup. Ok.
Tac, cri de ralliement. Voilà. Je pense que je pourrais rien faire d'autre. Oh my god. Ok, potion de puissance. Moi j'en ai pas besoin, c'est surtout lui qui en a besoin pour faire ses trucs. Puis au pire je peux tester de faire ça contre lui pour voir ce que ça lui fait. Ok, d'accord. Alors, est-ce que je peux faire... Non, je peux pas faire plus de flèches. Alors, on va se redonner une petite potion de puissance. Voilà. Et maintenant, plus de flèches. Ready? Aim. Fire. Ok. Il peut pas attaquer. Du coup, ce qu'on va faire... On va l'attaquer directement comme ça. My god. Ok, potion de fortitude. Dans le bébé, ouais, on va faire un petit shoot dans le bébé. Il est pas encore mort. Eons of torment are at an end, ruler of darkness. You know what? I'm not playing anymore. You have broken the rules of the stick, and for that, I banish thee. I banish thee from space and We did it, dude. That was awesome. You did it. Your noble quest is at an end. And for all your deeds and all your time put into this, I hereby promote you to King Douchebag. Congratulations. Quickly, now let's get the stick back to safety before anyone can do. We've got him. We've got the Dragonborn. Dragonborn? What the? Who, what? So it really is the Dragonborn. Just can't stop being a thorn in our side, huh? He has the stick of truth. How does this guy know you, King Douchebag? King Douchebag? Is that what you told him your name was? Why didn't you tell them your real name, Dovahkiin? You don't remember, do you? How we tried to find you? Look, that stick belongs with the Fighters of Zaron. Give it back. Fighters of Zaron? Boys, what's going on here is much more complex than that. This isn't the first time a UFO has crashed to Earth. You see... In 1947, a UFO crashed in Roswell, New Mexico. Oh, God. Oh, brother, spare us. Hang on a sec. A UFO crashed in Roswell, and a new government agency was created to investigate the paranormal. Our agency. Can we skip this? Like, hit the skip button or something? Oh, you don't want to skip this. Yes, we do. Whenever aliens are spotted, vampires run amok, our agency is there, and we have never lost a fight. That is... Until 4 years ago, when we investigated a child. Yawn, yawn, yawn. A child who had an unnatural power inside him. I had orders from the president to secure the child so that we could harness his powers before our enemies could. But he slipped through our hands. The government wants the new kid for his farts? That's dumb. His farts? No. His amazing ability to make friends so quickly on any social network. Before he was 5 years old, he had 3.2 billion friends on Facebook alone. Do you have any idea the power that kind of gift yields in today's world? It's time to come with us, Dovahkiin. Time to stop resisting and use your gift for your country. Is he really still talking? Are we so different, you and I, Dovahkiin?
You have to do what the government tells you to do, just like me. We're all just pawns in their game. I'll admit you are fascinating. You have more power than any child I've ever come across, and yet all you seem to really care about is this. It must be very important. What does it do? Whoever controls the stick controls the universe, dumbass. Yeah, stupid. Controls the... But then... I wouldn't have to do what I was told anymore. I could... I control the universe! Get back! Back, I say, all of you! I can do anything! Anything I want! I no longer need you, new kid! I control the universe! Damn thing! How does it work? Show me how it works! Yeah, right. Dovahkiin, why should we be on the opposite sides? Join me, Dovahkiin. Rule by my side. Rule. And you can have this all to yourself forever. I can offer you all! Just get me safely out of here! You can rule with this once again! You underestimated the character of the Fighters of Zaron. What binds us is more than that relic. And you failed to recognize the character of our alliance. Yes, and that friendship is more important to any of us than even the Stick of Truth. Dude, where are you going? Princess Kenny! At least one of you has some sense. You'd sell us all out? But why, Princess Kenny? Because Princess Kenny was born a half-orc, whose entire village was wiped out by humans and elves. Morgan Freeman? You see, when humans and elves lived together in the Forest of Hollow Falls, an elven queen fell in love with the orc known as Dandar, the first one to possess the Stick of Truth. They loved in secret and had a child. A beautiful little girl, a girl who watched as everyone she loved was killed in cold blood. And that is why she waited and plotted all this time to take the stick from you. For Princess Kenny is true heir to the Stick of Truth. Wow, that's pretty cute. Just one thing, Morgan Freeman. How come every time something convoluted needs explaining, you show up? Because every time I show up and explain something, I earn a freckle. Princess Kenny, come back here! What the fuck? Mais c'est quoi ce délire? Je suis level 14, nickel. On va prendre du coup... C'est ça? Vibro lame. Mais what the fuck? On a rien qui est au-dessus, non, c'est bon. Ici, on a... Quoi de nouveau? On a rien de nouveau. Oh mince, attendez, on a un truc nouveau ici. Bah ok, d'accord. Écoutez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Potion de santé. Potion de guérison. Potion de mana, ça, on va peut-être essayer d'en utiliser une pour voir. Potion de mana, potion de mana, potion de résurrection. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait être sympa? Écoutez, on n'a plus rien. Give us the stick, Princess Kenny. You don't want to go down like this, Beth. Mais what the fuck? Mais what the fuck? On va tester. Ok, déjà ça fait quand même pas trop mal.
Ça, potion de fortitude. No, je sais pas pourquoi j'appelle ça potion de fortitude alors qu'en vrai c'est pas du tout de la potion de fortitude, mais bon, c'est pas grave. On s'en fout. Okay, hop, il est en sang. Ok. Maintenant, on fait ça pour lui faire baisser un petit peu sa jauge de défense. Ouais, je me rappelais plus qu'il fallait que j'attaque comme ça. On va tester ça contre lui pour voir. X. Y. Et le dernier. X. Ok. Il est pas terrible, Kenny, sans déconner. What the fuck? What's she doing? No, Kenny, don't drink that. Princesse Kenny zombie nazi. Mais what the fuck. This is it, King Douchebag. The final battle. Your buddies stand with you. I will just stand over here. Use your rainbow attack, Princess Kenny. Il fait trop mal maintenant, my god. Potion de fortitude. Tac. Ok, shoot dans le bébé. Ok, I kick the baby. Don't kick the goddamn baby. Yay! Hop, il est en sang. Hit them with the zombie vomit. Oh my god, il est mort! Vite, résurrection, résurrection. Non merde, putain, je me suis fail. Génial. Yes, drink your goo, Princess Kenny. You'll be invincible. Non mais t'es sérieux? Oh no, you don't. Lucky shot, but no matter. Princess Kenny still has lots of tricks up her puppy sleeves. Hey, fellas. Oh merde. Non, mon perso préféré. Fuck. On va prendre de la potion de santé parce que là, on n'a plus grand chose. Et je pense pas que j'arriverai à endormir le perso. Je pense pas que j'arriverai à l'endormir, donc. Use your rainbow attack, Princess Kenny. My god, il fait trop mal. Accord en puissance. Voilà. Pilonné A. J'appuie comme un barbare sur A. Mais incroyable. Défense réduite. Et en plus il fait caca. C'est plutôt pas être mal. Tac, on va faire ça. Hop. Il a double défense réduite. Donc c'est... Merde. Oh putain. Potion de résurrection. Hop. Et Check this out. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she Boy, did she swallow. I had a nice lance that she set up her. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. Wow, what a terrific audience. Set him up, knock him down. Ok, donc on va se soigner. Potion de soin. Tac. Oh, lui fait quand même pas mal maintenant.
their own medicine, Princess Kinney! No! Where are you going with Princess Kinney's rats, damn you! Come on, new kid. Let's show them what we can do. Ok, pas mal. I better catch my breath. Alors. Tac. Use your rainbow attack, Princess Kinney. By the hammer of butters. Merde, no, putain. No, no, no. Je me suis totalement fail. Ok, c'est bientôt le moment, les gens. Yes! Oh my god, you killed Kinney! Yeah, that. Oh, no, wait, he's back. Mais what? Hit them with the zombie vomit! Mais what the fuck? Potion de santé. Mais what? Oh to putain. You better pray for a miracle. Oh, foolish Princess Kitty. Do you not know that death is a servant of chaos? How can this be? I am Stan Marshwalker, brother of wolves and badgers. Well, that chaos energy is making me a little woozy. Ok. On va lui baisser sa défense. Use your rainbow attack, Princess Kinney. No way, dude. Tout ce que je dois faire en plus. Ok, nickel. Hit them with the zombie vomit. Oh no, you don't. I think all the dying is making her tired. Keep killing her. Princess Kinney, call upon your beautiful Nazi unicorn. What? Shit, stupid fucking unicorn. My sword hand's got a cramp. I need a minute. Shit, I guess I'm the only hope. All right, it's you and me now, douchebag. For the fate of humanity. To victory. Ok. Alors, Use your rainbow attack, Princess Kinney. Merde, putain. Aïe 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 aïe. L'immuniser contre ça. Pilonner A, X, Y ou B. God damn it! Fucking goddamn bugbug! You asshole! Shit sculpted by you! Ass greasing dizzy tube top! Elephant walking at fucking son of a bitch! Magma baby! Ok, en fait, je me demandais s'il allait me donner une lettre à appuyer.
à une touche spéciale, mais en fait pas du tout. Tac, attention. Hit them with the zombie vomit. My god. Je vais donner une potion de puissance. Pilonner Y. Ok. Oh merde, putain, non. Use your rainbow attack, Princess Kenny. Hop, on va soigner notre pote. Putain, il se régénère encore. Sérieux. Now King Douchebag, murder Princess Kitty's bad. What about the gentleman's oath? Are you crazy, King Douchebag? Princess Kitty's a chick. You can't kick her in the balls. You have to fight on them. Mais what? Ah, pétez-lui sur les couilles. That's why you don't fuck with Princess Kenny. D'accord. J'avais pas compris. Et what? Oh non, je dois tout recommencer, c'est sérieux là? Oh putain, mais what the fuck? Pour améliorer ça. Putain, je dois tout recommencer. Non mais what the fuck, le combat interminable. You and what army, dude? Hop. Ah là là, le combat mais interminable. Hop. Non, putain, j'ai déjà fait, mais je le refais quoi, mais putain. My god. Allez hop, shoot dans le bébé. Ok, I kick the baby. Don't kick the goddamn baby. Yay! Voilà, premier, c'est fini. It's all over, Princess Kenny. Douchebag. This is it, King Douchebag. The final battle. Your buddies stand with you. I will just stand over here. Ouais, c'est ça. Use your rainbow attack, Princess Kenny. Putain, il fait trop mal, what the fuck? Potion de santé. Char de taureau. Hop, on se donne un petit peu plus de... du coup, maintenant... Hop. Ready? Aim. Fire. Ça lui fait que dalle, mais what the fuck? Ok.
l'attache de couilles, ça lui fait strictement rien. Autant l'attaquer comme ça. Toi, tu refais un petit... un petit ça, voilà. Maintenant, hop, shoot dans le bébé. On fera pas 7000 de dégâts shoot dans le bébé, mais... on en fera quand même pas mal. Oh si, putain, 10 000. What the fuck. Oh no, you don't. A lucky shot, but no matter. Princess Kinney still has lots of tricks up her puffy sleeves. Ok, donc on reprend avec lui. Ow, I hurt my leg. You better go on without me. Alors, un petit charge. Ah oui, faut pas que j'oublie en même temps, entre deux, faut que je redonne du mana à mon héros pour qu'il puisse péter. C'est n'importe quoi comme truc, ça. Mana, potion de mana grande, du coup. Hop. Nickel. Hop, et nous, du coup, jouer bruit marron, tac, voilà. Faut que je pilonne A. Nickel. Hit them with the zombie vomit. Oula. Oula. Vite. Pilonner A lorsque Ginny commence à bégayer. Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. I had a nice lance that she set up her. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. Wow, what a terrific audience. Okay. Give these vermin a taste of their own medicine, Princess Kinney. No! Where are you going with Princess Kenny's wrath, Samuel? Let me at him! Whew, I better catch my breath! Alors, on va se donner un petit peu de potion de puissance. Non, 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 fais pas les cons, s'il te plaît. Potion de puissance. Voilà, nickel. Hop. I think all the dying is making her tired. Keep killing her. Use your rainbow attack, Princess Kinney. My god. Toucher de guérison. Feel my righteous fury. Ok, d'accord. Ça a strictement rien fait. Hit them with the zombie vomit. Oh my god. D'accord, ok. Pour ça, ça servait à rien de l'attaquer, bordel. Death comes for you, Dragonborn. You'd better pray for a miracle. Oh, hamburgers! Foolish Princess Kinney! Do you not know that death is a servant of chaos? How can this be? Marshwalker, brother of wolves and badgers. Well, that chaos energy is making me a little woozy.
Ok, il me reste plus beaucoup de mana, du coup on va se reprendre de la potion, enfin de potion de PP plutôt. Hop, hop, on fait toujours le même système de toute façon. De toute façon ça servait à rien de faire ça en plus. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tac. Mais what the fuck? She doesn't stay dead. We can't beat her. Two, we're fucked. There's no way. There is one way. We're gonna have to break the gentleman's code. What? Carmen, you can't possibly mean. What other choice do we have, Cal? King Douchebag, you remember long ago, I made you swear an oath to never fart on anyone's boss. I am now asking you to break that oath. He's right. It's our only chance. Fart on Princess Kitty's boss, King Douchebag. Do it. Okay. King Douchebag, fart on Princess Kitty's bag! What about the gentleman's oath? Hit that old mean princess! Maintenez R, appuyez sur A, trouvez la fréquence et maintenez et appuyez sur R lorsque l'écran vibre. Dragonborn must have farted on a princess's balls. Mais what the fuck? Ce jeu quoi. You guys sure about this? There's no other way. It drove our friend to madness and nearly killed us all. So what do you guys want to play now? How about dinosaur hunters? Or pharaohs and mummies? Let's ask Douchebag. What do you want to play next, dude? Screw you guys. I'm going home. Wow, what a dick. Mais what? Ok. Bah écoutez les amis. Comment dire? On a fini ce jeu en 53 minutes pour le dernier épisode. On s'est fail pour le boss de fin. Pour Princess Kenny. Mais what the fuck? J'en reviens pas que ce jeu soit aussi what the fuck que ça. Bah écoutez les amis, j'espère que ce let's play vous aura plu. En tout cas moi j'ai vraiment kiffé le faire. Surtout qu'en même temps j'étais en train de regarder la série. Donc j'ai pu voir plein. Je ne sais pas si vous avez regardé en même temps la série ou pas. Si vous vous rappelez énormément de la série télé qui était sortie. Mais vous aurez pu voir énormément de références comme les animaux qu'il y avait dans l'anus de Monsieur Esclave. Monsieur Esclave qui est celui qui avait le détonateur dans son cul là, qu'on avait fait à la fin. Donc c'est assez impressionnant quand même. Tout ce que Ubisoft et Obsidian a réussi à faire. J'arrive à dire leur nom parce que c'est marqué juste devant, je sais. C'est pas très bien de ma part. Mais bon, honnêtement, très bon jeu. Il aurait quand même tenu assez longtemps, assez complexe quand même, vu que j'ai galéré quand même pas mal de fois. Des fois je savais pas trop où aller, des fois j'arrivais pas à tuer les mobs, donc j'ai dû recommencer après. Donc quand même ouais, assez complexe par moment. Il faut savoir du coup que c'est mon premier jeu RPG. Bon, le RPG se ressent pas trop au final, mais c'est quand même mon tout premier jeu RPG, donc c'est assez intéressant à faire.
Donc pourquoi pas en refaire un autre. Enfin, mon premier jeu RPG, non, vu que j'ai commencé Final Fantasy, mais les Final Fantasy, je suis pas encore allé assez loin pour dire que je les ai vraiment fait. Donc voilà, écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, moi, je vais vous laisser avec ce générique de fin et moi je vais m'arrêter là, du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce let's play vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. À vous abonner également, ça me ferait plaisir. On se retrouvera dans 2 jours pour un nouveau let's play. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Let's choose tout le monde!